Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Tout le monde est en train de se connecter. Bienvenue à ce deuxième talk de la saison. On est ravis de vous retrouver sous ce format. On espère bientôt aussi dans nos locaux, hein. Donc, n'oubliez pas qu'ils sont accessibles sur rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va parler identité visuelle, graphisme. Comment créer un univers à son image. On va parler nom, on va parler logo, on va parler typo, on va parler style. Et pour ça, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts en la matière. Aurélie Kuhn, qui est cofondatrice et directrice artistique du studio 5050, et Bonjour. Liven André, qui est directeur artistique de l'agence de création graphique Bira et cofondateur du studio de Tattoo et Concept Store, Ça part pas. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter et nous dire quelques mots sur votre activité. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Aurélie. Oui, donc bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, en fait, très narcissiquement, donc je vais commencer par expliquer un peu mon parcours. Donc moi j'ai fait des études de graphisme à la Cambre, donc je suis graphiste. J'ai travaillé comme ce qu'on appelle fausse indépendante, comme freelance dans plusieurs agences, et j'ai créé une agence, enfin j'ai développé une filiale d'une agence qui était déjà assez connue, qui s'appelait Hoot & Hoot à l'époque. J'ai développé cette agence à Paris, et donc je travaillais pour tout ce qui était produits de luxe, et c'était vraiment très chouette pour Armani, pour Céline, c'était très chouette. Et puis il y a 11 ans, j'ai décidé avec mon associé qui est aussi mon mari, Thomas, de créer notre studio. Je n'avais pas envie d'avoir un patron au-dessus de moi et j'ai beaucoup de mal avec ça, donc je voulais être plus chef que chef. Et donc voilà, on a créé notre studio il y a 11 ans, maintenant on a commencé à deux. Et puis au fur et à mesure, bah, on s'est agrandi jusqu'à être entre 8 et 9, jusqu'avant le Covid. Et maintenant, on est plutôt autour de 4-5, voilà, parce que le Covid est quand même passé par là. On fait essentiellement, au fur et à mesure, on s'est défini. Donc, on fait maintenant plus que vraiment du branding, donc la création d'identité graphique et du packaging. Et majoritairement dans le secteur de l'horeca, donc tout ce qui est food. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi impacté quand même pas mal avec la crise du Covid. Mais on a généralement des chauds clients et on essaye de ne pas faire des rapports annuels pour la Commission européenne. Voilà, globalement, ce qu'on fait. En termes de positionnement. Ok, merci beaucoup, Yvonne. Alors, moi, c'est Liven André. Bonjour à tous. J'ai 27 ans. Donc, moi, je suis diplômé d'Albert Jacquard en communication graphique et visuelle. Donc, je suis indépendant depuis maintenant 5 ans. J'ai créé mon propre studio de design qui s'appelle donc Design Bira. Je fais principalement du branding et de l'identitaire aussi. J'ai travaillé dans quelques agences à Bruxelles, notamment Minal ou Coast, là où j'ai pu vraiment mieux comprendre le monde plutôt axé mode et architecture. Donc actuellement, mes clients sont principalement dans la mode, l'architecture, la culture, un peu l'horeca aussi. Et alors, j'ai récemment ouvert mon propre studio de tatouage. Donc je suis cofondateur avec une collègue à moi qui est basée à Bruxelles. Et on fait aussi un concept store. Donc, c'est un lieu vraiment multiculturel où on reçoit des artistes, on reçoit des créateurs et en même temps, on tatoue. Et donc, j'ai pu mettre aussi à profit de toutes mes compétences de graphisme pour ouvrir mon propre studio. Voilà un petit peu. Eh bien, merci à tous les deux pour ces petites présentations. Donc, ça nous permet d'en savoir plus sur vous. Ben, vous avez finalement tous les deux aussi des super profils d'entrepreneurs, voire de multi-entrepreneurs. Et donc, ben, ça doit parler certainement au public qui nous suit aujourd'hui, qui nous écoute et qui participe à ce talk. Je rappelle qu'il est tout à fait possible de faire remonter vos questions dans le chat, donc surtout n'hésitez pas. Et puis ben, voilà pour explorer le sujet, mais j'ai eu de la chance aussi d'être épaulée dans l'exercice par Alison, et donc ne vous étonnez pas, on va vous poser quelques questions pour vous aider à lancer le sujet, mais ensuite vraiment sentez-vous libre de nous partager votre expérience. Mais voilà, mais moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est justement, vous vous êtes présentés tous les deux, vous avez parlé de branding, d'identité visuelle. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce que c'est finalement, ce que ça recouvre comme notion? Donc, peut-être Liven pour commencer, parce que je Oui, vais essayer de alors, bouger. pas de souci. Donc pour moi, l'identité visuelle, c'est un petit peu comme le visage d'un être humain. Donc, il doit être identifiable, reconnaissable et unique.
Pour moi, l'identité visuelle, ça doit être intemporel. Donc, j'axe principalement mes designs sur le minimalisme et plutôt l'audacieux et l'impactant. Donc, quand je parle d'identité visuelle, je parle plutôt d'un langage graphique, moi plutôt, d'un univers. Donc, c'est-à-dire qu'on part toujours, pour ma part, d'un logo et on en décline vraiment un univers, un langage pour pouvoir après l'appliquer sur différents supports de communication. Donc, l'idée, ce n'est pas vraiment d'avoir juste un logo qui nous représente, c'est vraiment d'avoir un langage, d'aller au-delà d'un simple logo. C'est vraiment de créer tout un univers qui va vraiment porter le projet le plus loin possible. C'est aussi comme ça que tu vois les choses, Aurélie? Oui, tout à fait. C'est pas du tout juste un logo. Ça va être un code couleur, ça peut être des motifs, ça peut être des types d'illustrations, ça peut être des textures qu'on va rajouter. C'est vraiment... Il y a le logo, mais il y a tout l'univers. Parce que si les gens, et ça arrive parfois, des gens viennent nous voir parce qu'entre guillemets, ils n'ont qu'un logo. Et en fait, ils se rendent bien compte que c'est trop pauvre et qu'ils n'arrivent pas et qui se lassent et qu'ils n'ont pas d'univers graphique. Et on doit décliner sur plein de supports différents. Donc, on peut pas mettre qu'un logo partout, sur un PowerPoint ou sur des posts Instagram. Il faut avoir une empreinte graphique qui va faire qu'on va vous reconnaître, qu'on va vous identifier facilement. Et ce n'est pas juste un logo, quoi. Voilà. Alors, cette empreinte graphique dont vous parlez tous les deux, c'est quelque chose qui se construit avec le client? Ou est-ce que, parce que tu disais, Aurélie, à l'instant, parfois le client vient avec juste un logo. J'imagine que des fois, il n'a même pas le logo. Que c'est ça, il a un projet en tête, une idée. Ou alors, il a déjà sa société qui est montée, son projet qui est en cours, mais il ne sait pas toujours comment l'incarner. Donc, comment ça se passe en fait? Avec quoi il doit venir chez vous, le client, pour que vous puissiez définir son empreinte graphique? Oui, alors déjà, si entre guillemets, il n'a qu'un logo, généralement, on ne va pas décliner nous ce que quelqu'un d'autre a fait. Donc bon, là, on va lui dire, soit il va voir ailleurs, soit entre guillemets, on va recommencer à zéro. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin? Ben, il a besoin soit d'avoir un nom, soit nous, on peut faire des recherches de nom, donc ce qu'on appelle le naming. C'est pas du tout ce qu'on préfère faire. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas vraiment d'études en fait de naming, donc on va monopoliser toute l'équipe et tous les cerveaux, et on va essayer de réfléchir à un nom s'il n'en a pas, et de proposer différents noms, mais c'est pas un exercice simple. Il a soit il doit avoir déjà un petit peu sa stratégie de communication, donc c'est en grande ligne, on va dire la mission, vision, valeur, mais en fait savoir un peu où il va, quels sont ses potentiels clients, à qui il va s'adresser, nous parler ensuite des concurrents, s'il y a vraiment un concurrent direct dans la même ville, ben on va aussi, c'est important de le savoir, essayer de s'en éloigner au niveau des codes graphiques. Ça, c'est important. On dit toujours qu'on fait pas un bon boulot si on n'a pas un bon briefing. Le client qui ne sait pas du tout où il va et qui nous dit « c'est bon, je vous fais confiance ». La confiance est super importante, clairement, mais on a besoin vraiment d'avoir un bon briefing créatif parce que c'est comme ça qu'il peut y avoir des malentendus ou des soucis si, en fait, on n'a pas un bon brief créatif. Je pense que Liven serait d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Mais en général, il y a des clients qui peuvent arriver chez nous complètement perdus par rapport à l'identité visuelle parce que c'est vrai qu'on sous-estime souvent l'importance de l'identité visuelle parce que c'est vraiment le visage de l'entreprise. Mais beaucoup de personnes peuvent croire que c'est quelque chose qu'on va peut-être peaufiner par après. Mais c'est vrai que le premier rendez-vous est super important d'abord pour instaurer pour moi une relation de confiance entre nous et le client. Puis ensuite, on peut cerner facilement en rencontrant les valeurs qu'il dégage. C'est très important de comprendre un petit peu les valeurs qu'il souhaite dégager, en tout cas avec son entreprise. Peut-être un positionnement aussi, un ton de voix, donc voir avec lui comment il veut s'adresser à son public cible. Dresser un public cible et ensuite après effectivement créer tout ce qui est un petit mood board inspirationnel ensemble pour voir vers quoi il veut aller. Enfin voilà, tout ça c'est toute une démarche pour moi qui est très importante, c'est de pouvoir comprendre lors du briefing là où le client veut aller, ce qu'il veut dégager comme valeur, comme image, ce qu'il veut renvoyer et après bon, la suite ça on en parle après. Moi, je dis toujours aux clients qu'il y a trois choses qui sont importantes pour le choix de son agence, parce que malheureusement, on est souvent mis en compétition avec plusieurs agences. C'est qu'évidemment, il y a le devis. Donc, nous, on va toujours faire un devis au préalable. Et l'idée, c'est que si on fait un devis, on s'y tienne. Et s'il y a vraiment des soucis, on va le prévenir en amont, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Mais donc, un, le devis. Deux, il faut aimer ce qu'on a déjà fait comme réalisation auparavant, donc il faut aimer notre portfolio, ce qu'il y a sur notre site et tout ça, il faut être à l'aise, mais il ne faut pas se dire « Ah, moi, je veux ouvrir un restaurant italien, ils n'ont pas fait de restaurant italien, donc je ne vais pas aller les voir », entre guillemets. C'est pas parce qu'on n'a pas fait ça qu'on ne sait pas le faire, on a des clients super variés. Donc, un, le devis, le prix. Deux, parce que si
si vous avez vraiment des soucis et que vous devez vous couper la ceinture en 25, ça ne va pas le faire, donc le devis, aimer ce qu'on a déjà fait, faire confiance, et aussi évidemment les affinités, et se dire, ben voilà, ces gens-là, j'ai un bon feeling, entre guillemets, la mayonnaise, elle prend bien avec eux, j'ai envie de leur faire confiance, et parce que vous allez nous confier votre bébé, on va essayer, ça sera aussi notre bébé, mais on va en prendre soin, mais voilà, il faut aussi y faire confiance et avoir un bon feeling au niveau humain. Je pense que c'est trois paramètres super importants pour choisir son agence. Mais donc, si je résume bien, l'idéal, c'est qu'un client vienne chez vous, vous consulte en tout cas en sachant déjà quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs, quels sont les publics cibles auxquels il va s'adresser, qu'il ait normalement sous le bras un mood board ou autre chose, enfin, peut-être que vous allez nous en prêter, mais en tout cas qu'il puisse défendre l'univers ou dire ne fût-ce que ça, j'aime bien, ça, je trouve ça chouette, là, je ne veux pas aller vers ça, pour que vous puissiez vous faire une idée en tout cas de quelles sont ses attentes, un peu comme un décorateur d'intérieur travaillerait aussi en disant j'aime tel style ou pas tel autre ou un coiffeur, enfin voilà, c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'il a en tête et tout pour aider à la médiation. Et il y a combien d'allers-retours? Est-ce qu'il va repartir directement avec déjà au bout du premier rendez-vous un devis? Est-ce que combien ça peut prendre aussi de temps? Tu parlais de chiffres tout à l'heure, enfin tu ne donnais pas des chiffres, mais tu évoquais le devis. Donc comment est-ce qu'on peut chiffrer en termes de moyens humains, en termes d'argent, en termes de temps, la constitution d'une identité? Tu veux en parler ou j'en parle, Liven? Oui, tu peux. Je pense qu'Alison s'adressait à du coup, Victor. Ouais, donc, d'abord, il y a une chose qui est importante, j'en ai pas parlé, mais au niveau du nom, si vous avez votre nom, c'est important de le déposer ou de se renseigner auprès d'un avocat parce que ça arrive hyper souvent et c'est souvent un des critères où on peut perdre du temps. Donc, il faut que son nom soit validé, qu'on ait vérifié que sur le même secteur d'activité, enfin, dans le même secteur d'activité ou dans les mêmes lieux, il n'y ait pas quelque chose qui soit assez similaire, ça c'est la première chose. Après, au niveau des étapes, nous, quand on a fait la réunion de briefing créa, généralement, on demande 15 jours pour présenter des mood boards. Et donc, on va faire trois pistes, je vous montrerai après des exemples, mais on fait trois pistes de mood boards différents. Des mood boards, c'est des planches de tendance, c'est des images qu'on récupère, donc on ne crée pas nous-mêmes. Et on va aussi créer une gamme de couleurs. Et donc, on va présenter trois pistes différentes. Alors, souvent, il y en a peut-être une qui est déjà un petit peu préformatée du client, mais alors aussi, c'est à notre rôle de le challenger et de proposer quelque chose d'autre. Et pas juste peut-être ce que lui il avait en tête ou ce sur quoi il nous a briefé. Nous, on veut aussi aller un peu plus loin et le challenger, proposer un truc peut-être plus créatif. Et puis après ça, on lui présente ça. Donc, je veux dire, il y a un brief créa, deux présentations des mood boards. Et puis après ça, en fonction de son feedback sur les mood boards, soit il dit j'adore la proposition 1, on change rien. Parfois, il y a un petit peu des allers-retours. Et puis, on va développer une piste créative, une piste graphique. Et nous, généralement, dans la piste graphique, on intègre déjà deux ou trois logos différents, mais on en choisit un avec lequel on décline tout l'univers. Et donc, c'est de nouveau 15 jours. Donc, globalement, c'est 15 jours et 15 jours, mais c'est rare que ce soit fini en un mois, dans le sens où le client ne va pas donner une réponse le jour même d'expérience. Je sais que ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà, c'est 15 jours, 15 jours, chez nous en tout cas. Je rebondis, mais chez moi, c'est exactement pareil. Ben voilà. J'ai les mêmes délais, la même façon de travailler. Donc, c'est vrai que pour ça, je pense qu'on est totalement raccord sur ça. Après, ce qui prend un peu de temps après, c'est qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle les déclinaisons. Elles sont plus variées en fonction, ça dépend. Parfois, ça peut être juste un site internet, ça peut être toute la partie réseaux sociaux. Mais du coup, là, il y a plus d'aller-retour. On ne doit pas se voir, mais c'est plus un ping-pong dont on envoie des PDF, le client répond et quand on décline tout ce qui est papeterie et tout ça. Et ça, en fonction aussi de son délai de réaction. Généralement, on est souvent, entre guillemets, plus réactif que le client. Parce que ça dépend du métier du client et de s'il est assidu ou pas. Mais donc, après, je veux dire que pour une identité graphique, généralement, je veux dire que c'est plutôt autour de 4 mois que ça prend. Entre le moment où on a un premier rendez-vous et la fin, ça, c'est quand tout se passe bien. Parfois, ça peut prendre 2 ans. Mais voilà. Vous venez de parler des déclinaisons possibles et tout. Ça veut dire que dès le départ, on doit déjà se projeter parce qu'il y a parfois des clients, j'imagine, qui viennent avec un business qu'ils veulent lancer dans un premier temps uniquement sur Internet. Ils n'ont pas encore forcément un point de vente, ils n'exportent pas. Mais est-ce que ces questions-là, il faut les avoir dès le départ? Alors ça, moi, pour moi, je trouve que c'est aussi notre rôle quand on est avec le client de pouvoir voir plus loin. C'est-à-dire que lui va arriver avec une idée précise de ce qu'il veut à court terme. Nous, notre but aussi, c'est de faire fonctionner son projet sur le long terme. Et donc, une durée de vie d'un logo, c'est plus ou moins 10 ans. Il faut aussi se dire qu'en 10 ans, les choses évoluent énormément. Donc, un logo peut évoluer aussi. Donc, on peut faire ce qu'on appelle un rebranding d'un logo, modifier des petits détails, un petit peu comme Coca-Cola l'a fait au fur et à mesure du temps. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai que nous, on doit penser très large. Donc, moi, lors
du premier rendez-vous, je prends note de toutes ces attentes à court terme, mais aussi dans l'utopie, ce qu'il voudrait que son entreprise devienne dans les 10 prochaines années. Comme ça, je peux aussi imaginer un univers qu'on puisse décliner au maximum. Il vaut mieux que ce soit trop déclinable que pas assez, et qu'après, imaginons, il veuille étendre, faire une extension qu'on n'avait peut-être pas prévue au début, on ne se retrouve pas coincé avec un logo qui ne peut, peut pas s'appliquer à ça. Donc vraiment, c'est d'essayer de voir sur un plus large spectre tout ce qui est possible de faire dans son entreprise. Est-ce que tu aurais un exemple de ça pour que ce soit... Ouais. J'allais demander à quelle déclinaison vous pensez pour que ce soit concret dans la tête des personnes qui nous suivent. Par exemple, j'ai fait, donc j'ai eu la chance de refaire l'identité visuelle des hautes écoles Albert Jacquin, d'ailleurs à Namur. Et donc ça, je peux peut-être partager mon écran. J'ai peut-être quelques exemples à vous montrer de déclinaison. Donc je fais ça. Voilà, je pense que là, vous l'avez. Oui. Voilà. Donc ici, donc, on a les cartes de visite. Si je zoome hop, sur cette partie ici, ce sont les cartes de visite d'Albert Jacquin. Donc ici, on est parti sur un logo qui est essentiellement tiré de la ponctuation. Et ce que j'ai créé après, c'est un univers graphique, donc tous les petits symboles que vous avez là qui s'apparentent à chaque, comment expliquer ça, à chaque branche d'Albert Jacquin. Donc ils ont une branche économie, une branche pédagogie, une branche créativité. Donc voilà, il y a tout un univers qui a été créé, et l'idée, c'est de pouvoir le décliner après sur des livres, sur une papeterie complète, sur des banners dans la rue. Par exemple, ils ont fait des goodies, donc des gobelets, des tote bags, des bics. Ils ont fait le stand au salon du CIEP, voilà, ici. Donc, il faut vraiment essayer de voir sur un plus long, à long terme, ce qui est possible de faire, et pas juste faire un logo, parce que dans l'instant T, on a besoin d'un logo. C'est vraiment d'essayer de voir sur le long terme ce qui est possible de faire. Là, on a repris toujours le même langage que le logo, on le décline en affiche, en poster. J'ai fait pareil aussi avec... voilà, ça c'est pour un architecte ici. Donc l'idée aussi, ben là on part d'un simple logo pour en faire des affiches. Là on est sur une boutique vintage de seconde main. Donc pareil, on a un logo et puis on peut créer tout un univers autour du logo. Ça peut même aller jusqu'à la décoration d'intérieur aussi. Hein. C'est-à-dire, donc, par rapport aux affiches que tu présentes ou par rapport à d'autres déclinaisons? Non, c'est-à-dire que là, après, on peut même carrément, au niveau de la gamme chromatique qu'on a sélectionnée, voir peut-être l'aménagement de la moquette intérieure. Donc là, pour cette boutique-là, on est en train de réaliser la moquette intérieure sur base du même dégradé qu'on retrouve dans le logo. Mm-hmm. Les néons à l'intérieur aussi, enfin, ça peut vraiment être très, très large. Et l'idée, c'est que quand on rentre dans le lieu, on s'imprègne de l'univers complet. Et pas juste du logo. Mmh. Il faut que tout fonctionne ensemble. C'est clair que le lieu-là, on n'imaginerait pas que tout soit bleu et que ça n'ait rien à voir avec l'identité qu'on a vue. Quoi. Il ne faut pas qu'on ait de mauvaises surprises. Donc, Avec Albert Jacquin, tu veux dire? Non, mais par exemple, les chaussettes, Hot Socks, on entre dans le lieu, on imagine qu'on va avoir les mêmes tons, des dégradés, un côté un peu 70s qui va être présent comme c'est présent dans l'identité. Quoi. Alors justement, est-ce qu'il y a des codes? Parce que ça, souvent, on se pose quand même la question de est-ce qu'il y a des codes couleurs sectorielles ou des codes de territoire ou des contraintes. Enfin, voilà, quelles sont un peu les contraintes dans lesquelles vous devez créer? Vous pouvez imaginer. Est-ce que vous pouvez partir dans tous les sens ou est-ce que vous devez vous dire, ben non, ça c'est de l'alimentaire, donc voilà, on doit tenir compte de ça, ou on doit tenir compte des concurrents et vous devez regarder un peu... ce que font les autres, enfin voilà, quels sont les... Ça dépend, parfois il y a des codes même qui sont politiques, parce que parfois on va travailler sur un festival ou quelque chose comme ça qui va être financé par telle région ou telle chose, donc ce serait quand même bien qu'il y ait un peu de bleu ou un peu de jaune, ou, ça arrive clairement, ça arrive régulièrement, c'est pas super cool, mais malheureusement ça arrive. Maintenant, tu parlais tout à l'heure de si on fait quelque chose qui est dans l'écologie, est-ce qu'on doit forcément mettre du vert? Ben, moi, je ne dis pas forcément. Maintenant, parfois, si par exemple, dans le nom, imaginons que le nom, on va faire un projet qui est lié à l'écologie qui va s'appeler Green quelque chose, c'est peut-être pas ou éco, machin, on n'est peut-être pas obligé de mettre du vert non plus. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même parfois certains codes qui vont rappeler le client de ce qu'on est, mais on n'est pas obligé de taper trois fois sur la table avec les mêmes choses. Quoi. Voilà. D'accord. On n'est pas obligé d'être trop lourd non plus. Voilà, c'est ça. Parfois, justement, c'est bien de les casser aussi, les codes, voilà, c'est ça. Pour se démarquer. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un peu, c'est à voir au cas par cas, j'imagine.
avec les projets que vous présentez Oui, c'est ça. aux clients. Quand vous disiez tout à l'heure, on a trois projets, on a trois pistes, une piste qui colle bien au brief qu'il nous a donné, et puis deux qui sont peut-être plus polarisants pour voir justement jusqu'où il est prêt à aller ou ce qu'il veut pas. C'est à ce moment-là que vous challengez tout ça. Et en général, c'est vrai que c'est toujours intéressant de lui proposer une piste, on va dire, plutôt comme il pouvait l'imaginer. Donc, c'est-à-dire que si, ben voilà, si on part sur de l'éco, une piste peut-être avec du verre pour rester un peu dans les codes. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi parfois de casser les codes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et surtout qu'on va se démarquer de la concurrence. C'est que, bon, après, il faut que ça puisse se justifier aussi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas n'importe quelle couleur pour, juste pour le plaisir des yeux. Je pense qu'il y a aussi toute une démarche sur le côté parce que ben, les couleurs ont une signification aussi. Et je pense que dans la tête des gens, c'est vraiment ancré. Il y a certaines couleurs qui sont vraiment associées à certaines choses, ben, comme tu l'avais dit, hein, le vert, l'écologie. On va dire le zen, on va prendre un peu du bleu, on va prendre de l'orange pour quelque chose de plus dynamique. Enfin, chaque couleur a vraiment une signification pour moi. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est de pouvoir jongler avec des couleurs dans des secteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça peut se voir actuellement, il y a pas mal de nouveaux secteurs Horeca d'ailleurs qui s'implantent un peu partout et qui commencent à jouer des couleurs comme le jaune, le mauve, qui à la base ne sont pas forcément des couleurs liées à l'alimentaire. Et c'est là que du coup ça devient intéressant parce que je pense que on commence à se démarquer et devenir un peu plus audacieux. Tout à l'heure, tu parlais des déclinaisons. Est-ce que tu pourrais nous montrer des exemples, Julie? Oui, bien sûr. Mais je peux peut-être Parlais montrer. des moodboards. Oui, Oui, dis-moi. je peux montrer un petit peu comment fonctionnent les moodboards et puis C'est ça. comment fonctionnent les déclinaisons. Attendez une seconde. Donc, le premier, je voulais partager deux cases. Donc, des cases, c'est ce qu'on appelle, c'est des études de cas. Donc là, en l'occurrence, c'était justement des clients qui sont Carolo. Et c'est un bureau d'architectes, Carolo, qui est venu nous voir. Donc, ils ont donné un briefing, ils nous ont montré leur réalisation et tout ça. Et donc, en fonction de ça, on a proposé trois pistes. Donc, chaque fois, comme je montre la gamme de couleurs, les couleurs sont toujours un petit peu moins belles dans le partage d'écran. Mais donc, on était sur un argenté, une gamme assez neutre, du noir, du gris foncé, un vert foncé et un espèce de beige un petit peu chaud. Et puis, on va proposer, on va montrer différents éléments. Donc voilà, on voulait jouer avec le côté vraiment argenté, très fort, d'avoir peut-être un symbole qui serait presque abstrait comme cette tache. Ça faisait partie des éléments qui revenaient régulièrement dans leur projet. On voulait introduire l'idée du cartouche d'architecte, comme on peut avoir l'image à droite, là où c'est marqué architecte, pour mettre les informations. Et alors, au niveau des photos, travailler vraiment quand ils ont s'ils créent des objets dans un côté plutôt brut dans la mise en contexte des objets. Après, la seconde piste, on avait développé une piste qui était juste noir et blanc avec une couleur qui était vraiment fluo. Donc là, en l'occurrence, c'était un vert fluo. Et alors, on avait proposé de travailler tout ce qui était photo juste en noir et blanc et de jouer avec un dégradé de ce vert fluo qui reviendrait sur différents éléments graphiques, que ce soit la papeterie. Au niveau de la typographie qu'on aurait utilisée, on aurait utilisé la typographie comme on peut voir en bas, Materials, donc qui serait un petit peu fragmentée, comme ça, comme en construction, et jouer vraiment avec des filets. Donc ça veut dire des filets, c'est un mot plus chic pour dire des traits noirs. Et comme on pourrait voir le logo ici en haut, André Dias Arrojo, là, jouer vraiment avec l'idée de ces contours d'architecture. Voilà, ça c'était la deuxième piste. Et la troisième piste, bon, ils étaient très noir et blanc. Hein, voilà. Je ne sais pas si tous les Carolos veulent du noir et blanc, mais ils étaient très noir et blanc. Et donc, on avait rajouté un peu ces tons un petit peu plus craft comme ça. Et l'identité qu'on a développée là, c'était de jouer avec des formes un peu plus organiques, comme on peut avoir le poster Peaches, où on pourrait intégrer carrément des matières dedans. En fait, c'était l'idée, comme on voit tout à fait à droite, c'était de prendre comme des empreintes de matériaux avec lesquels ils ont pas mal d'affinités et de venir les mettre un petit peu comme des motifs et d'intégrer aussi le craft et au niveau des informations, d'avoir une hiérarchie très simple pour mettre tout ce qui était texte, coordonnées, et tout ça. Donc, en fait, ils ont choisi cette piste-là. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Donc, on en discute, on a présenté ça. Ils ont choisi cette piste-là. Et alors, je vais juste revoir s'il n'y avait pas quelque chose qu'ils aimaient. Et ils aimaient particulièrement la tache et l'argenté de la première proposition et la façon de mettre les informations. Donc, en gros, c'est ce qu'ils nous ont dit. Après,
On a développé une piste graphique. Alors, au niveau de la couleur, on a gardé ce argenté métallisé et on a rajouté la couleur un peu terracotta, comme ça, qu'on avait vu dans le dernier mood board, mais on a un petit peu modifié. On a présenté 3 pistes de logo parce qu'ils hésitaient, ils voulaient voir l'idée parce qu'on avait mis la dualité de 2 typographies parce qu'en fait, c'est un duo d'architectes, et donc féminin, masculin, on trouvait que c'était assez intéressant de jouer avec cette dualité au niveau typographique, comme on peut voir aux 2 extrémités. Et on avait fait une autre proposition qui n'était pas vraiment dans leur briefing de base, avec une typographie vraiment qui est très forte et qui a comme une espèce de matière directement dedans. Et donc, c'est ça que nous, on a choisi au final pour décliner l'identité. On applique une matière un petit peu argentée dedans aussi. On montre les choix typographiques qu'on a fait. Voilà, ça, c'est les 3 typos avec lesquels on va jouer dans l'identité. Donc, il n'y a pas qu'une typo. On montre au niveau des couleurs comment ça donne. Et en fait, on a développé une bibliothèque de textures qu'on pourra mettre à différents endroits dans les déclinaisons graphiques. On a cette espèce de marbré, je trouve qu'il donne assez bien, comme des empreintes de terrazzo ou de bois ou de béton. Et puis après, on commence à montrer à quoi ressemble une identité. Donc, le logo, au niveau des photos, on va privilégier des photos qui sont en niveau de gris, donc assez douces, pas trop de couleurs. Et quand il y a des couleurs, plutôt des couleurs chaudes, comme la couleur qu'on a choisie un peu terracotta. Et au niveau de la typographie, on voulait alterner cette idée d'avoir une typographie qui est à empattement, comme le forme, et linéale, comme le technique, donc plus droite, pour vraiment montrer ce côté dualité des archis. Et ça, c'était, bon, ça, c'est une des déclinaisons, donc c'est de la papeterie, la carte de visite. En l'occurrence, ils ont finalement choisi, le recto est complètement argenté et le verso est comme ça. On montrait des alternatives. Et puis après, on peut montrer une des déclinaisons, c'est par exemple une publication. Donc, à quoi pourrait ressembler une publication, un document imprimé ou même digital. Donc, on voyait qu'on joue en fait avec les éléments graphiques qu'on a développés en amont. Voilà, un tote bag aussi, à quoi ça pourrait ressembler. Et alors, on commence à montrer au niveau des réseaux sociaux ce à quoi pourrait ressembler le feed, différents posts. Et alors, ils avaient aussi là, comme déclinaison, par exemple, il y avait des bâches de chantier ou des panneaux de chantier. Et ils voulaient vraiment casser les codes et se différencier de la concurrence avec quelque chose de vraiment esthétique qui va marquer l'œil. Et voilà. Ça, c'était pour la première piste. Je ne sais pas si vous voulez que je montre déjà l'autre piste. Oui, enfin, je pense que c'est chouette que justement, ça permet de mettre des images sur ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu, vous avez d'abord vu les mood boards. Donc ça, c'était les 15 jours. Et puis après, l'identité graphique. Alors, le deuxième projet, j'ai choisi un projet qui n'a strictement rien à voir avec le premier, qui est pour le coup là, une grosse entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire et qui est venue nous trouver pour créer un produit. En fait, c'est un producteur d'agrumes espagnol qui voulait lancer un produit qui est issu de l'agroécologie. Et donc, nous, on a fait la recherche de nom. Donc, le nom s'appelle Thérapie. Donc, ça, on a d'abord en amont, on a fait tout ce qui était stratégie. Après, on a fait le naming. Alors, on a choisi ce nom-là en fonction de plein de critères. Il doit pouvoir s'adresser au marché français essentiellement, mais après, potentiellement, au marché anglais et anglo-saxon aussi. Donc, on a cherché un nom très simple et qui pouvait fonctionner dans différents marchés. Alors, donc là, à chaque fois, on a créé une gamme de couleurs. Le plus grande déclinaison de ce client, c'était les packaging des agrumes, donc des citrons, des oranges, des clémentines. Et on a montré, en fait, on voulait prendre le client par la main pour lui expliquer qu'est-ce que c'est l'agroécologie d'une façon un petit peu ludique, sans avoir un ton qui était vraiment donneur de leçons, qui a un petit peu d'humour et que vraiment le packaging, on a envie de le regarder, qu'on a envie de le lire pour apprendre des choses. Donc, la première piste au niveau des mood boards, c'était jouer vraiment avec les typographies, d'avoir des typographies qui peuvent un petit peu danser comme ça. Et au niveau des illustrations, c'était jouer avec les pleins et les contours. Et au niveau des photos, on voulait quelque chose qui était un petit peu désaturé. Voilà, ça, c'était la première piste. La seconde piste, elle est aussi assez colorée. Là, on a introduit aussi du craft. Parce que dans le craft, dans l'inconscient des gens, ça veut dire écologie. C'est-à-dire que tous les papiers, hein, maintenant, sont certifiés, fessés, tout ça. Mais c'est vrai que pour les gens, le craft est un papier vraiment recyclé et ça a une bonne image. Là, on voulait travailler plus sur le fruit qui est traité comme une silhouette avec des typographies qui sont presque comme le cassis, qui est ce qu'on appelle en lettering, donc vraiment presque manuscrite, et la typographie qu'on voit juste à côté qui sont plutôt toujours écrits en minuscules, très arrondis, très doux, qui a un côté un peu accueillant, assez accueillant. Et alors, au niveau des informations un peu plus ennuyeuses, entre guillemets, on les aurait traitées comme on peut voir le jus, la apple juice,
avec des données plus techniques et plus graphiques, assez sympas à regarder. Donc voilà, ça c'était la deuxième piste. Et la troisième piste, au final, c'est celle-ci qu'ils ont choisie. On a un petit peu changé, donc on est vraiment en noir et blanc, plus une couleur par agrume. Et donc, en fait, là, par exemple, la cliente nous avait parlé de cette marque Oatly, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, oui. C'est du lait à base d'avoine, je pense. Mm. Et donc, en fait, elle aimait beaucoup, la cliente, cette idée des lettres qui seraient presque comme brutes et découpées dans du papier et qui peuvent s'imbriquer l'une et l'autre. Et donc, comme on peut avoir en bas à gauche, on a vraiment cette idée de typographie pas parfaite avec une matière dedans. Au niveau des illustrations, quand on peut voir le Real and Full sur le packaging avec l'orange, on a un peu une seconde lecture. On croit d'abord que c'est une orange, mais en fait, on voit que c'est un ballon qui va se faire piquer par le cactus. Et donc, il y a une seconde lecture avec de l'humour qui est assez chouette, et ce côté pas parfait des typographies. Et aussi, quand on voit Milton Star, l'idée d'avoir pas mal de petites informations techniques qui vont venir se rajouter. Voilà. Donc ça, c'est cette piste-là qu'ils ont choisie. Alors, on a un petit peu fait varier au niveau de la couleur, mais ça, je vous montrerai après. Donc, on a présenté trois logos. Il se trouve qu'ils ont choisi celui du mieux. Ça tombait bien, c'est de nouveau celui-là qu'on avait choisi pour décliner toute l'identité graphique. On a un tout petit peu ajusté deux, trois choses, mais globalement, on est parti là-dessus. On montre le logo, puis après, on lui applique une texture, on le met un peu de relief, on voit comment il fonctionne sur du craft ou en deux couleurs. Et puis après ça, on a mis aussi au niveau des typographies, on rajoute les typos. Donc là, on a trois typos aussi. Et là, en fait, on montre la gamme de couleurs. Donc la gamme de couleurs principale, c'est le craft, le noir et le blanc. Et en fait, on a décliné chaque fois une couleur par agrume, que vous allez voir après sur le packaging. Et là, on commence à montrer au niveau de l'univers. Donc, c'est des illustrations qu'on n'a pas achetées, c'est des illustrations qu'on a créées ici au studio. Et donc, en fait, c'est presque comme chaque fois un post Instagram, on pourrait voir à quoi vous ressemblez les illus, comment on va communiquer. On va alterner des grosses typos en contour et en plein. Hop, je montre encore. On a créé ce petit citron avec son look, avec ses petites lunettes. En gros, l'idée, c'est vraiment de donner des informations aux gens, mais avec le sourire, et qu'il y a un côté pas du tout donneur de leçons, vraiment frais et joyeux. Et puis après, on montre le début des packagings. Alors, ils ont évolué, je vous montrerai après. Mais en gros, on montre vraiment le début des packagings. L'arrière, où là, on donne plus d'infos texte. Et puis, des débuts de posts Instagram. Si vous avez encore deux secondes, je peux vous montrer à quoi ça ressemble au niveau... Voilà, je vais vous montrer au niveau du site Internet pour voir justement une des déclinaisons. Donc, au niveau du site Internet, là, on peut voir les packagings parce que le site est fini, les produits sont en vente. Alors, c'est pour le supermarché français, mais donc ici, on voit à quoi ressemblent les packagings. Donc, ils n'ont pas énormément changé par rapport à la base. Voilà. Vous allez vraiment jusqu'au développement de l'outil site web ? Oui, tout à fait. En fait, on travaille. Alors là, pour le coup, on a un développeur externe. Donc, je le dis directement, c'est pas quelqu'un qui est dans nos bureaux 8 heures par jour, mais c'est quelqu'un avec lequel on travaille depuis plusieurs années. Et donc, ça arrive, par exemple, si on a besoin de copy. Donc, du copy, c'est des textes, en l'occurrence pour le site Internet des agrumes. On a travaillé avec une copy externe qui est spécialisée là-dedans, dans la rédaction des textes en français ou en anglais, et qui va donner sa petite touche vraiment sympa. Voilà. D'accord, ok. De manière à avoir vraiment le produit fini, global, à la fin, quoi. En fait, le maître mot, je pense que l'Ivel d'accord, c'est vraiment la cohérence. Il faut que tout soit cohérent, mais qu'on ne se lasse pas dans l'identité non plus, quoi. Voilà. Ok. J'ai justement une question dans le chat par rapport à ce qui vient d'être présenté. On a Philippe qui aimerait bien savoir l'ordre d'idées, l'ordre de grandeur. À la grosse louche, hein, c'est précisé, quelle avait été l'enveloppe budgétaire pour le travail réalisé pour Happy Therapy ? Thérapie, là, je ne l'ai pas comme ça, mais je dirais qu'on était, à mon avis, de mémoire, je veux dire entre 20 et 30 000 euros, mais globalement, un projet de branding, donc l'identité graphique, ça va être entre 5 et 6 500 euros. C'est ça, parce que justement, la sous-question, c'était si on ventile entre les différents postes, identité visuelle, développement web, copy, voilà. Donc, tout ça, c'est un ensemble, mais l'identité graphique en tant que telle, Je sais que de mémoire, pour thérapie, on continue à gérer les réseaux sociaux et qu'on est sur genre 2 500 par mois, mais parce qu'on a 1 000 euros déjà d'achat publicitaire par mois pour eux. Et puis après, on a la partie créa et rédaction texte, copy, qui est aussi un poste important. Mais donc, chez nous, en fait, le fee minimum, c'est 6 500 euros. Donc, en gros, on ne fait pas un logo pour 2 000 euros. On est...
On est assez nombreux quand même au bureau et donc globalement, on ne fait pas juste une brochure ou juste entre guillemets un petit projet. On va faire une brochure si c'est pour un client pour lequel on a déjà travaillé en amont et qui va venir après nous voir pour des petites déclinaisons ponctuelles. Mais globalement, on fait d'abord un projet de branding global et un site internet, ça va démarrer chez nous entre guillemets à 3 500. En moyenne, c'est plutôt 5 000 et un site avec un e-shop, on va être dans les 12 000 euros pour avoir des idées de tarifs comme ça. Voilà. Ok, merci. De ton côté, Livonne, parce que voilà, en fait, vous avez des approches qui se rejoignent sur certains aspects, mais divergent sur d'autres. Et j'entends qu'il peut y avoir vraiment aussi de l'accompagnement longitudinal hein, tout au long de, voilà, de la vie d'une entité, d'un projet. Et donc, tu nous en as présenté quelques aspects, Aurélie. De ton côté, Livonne, est-ce que tu as envie de préciser l'une ou l'autre chose? Comment ça se passe, par exemple, quand tu as en face de toi un client que tu accompagnes dans la durée et qu'il y a des changements en cours de route, qu'il y a toute cette démarche justement de faire évoluer l'identité visuelle et notamment de s'adapter peut-être à des changements de service ou de positionnement, voilà. Alors moi, je suis en freelance indépendant, donc c'est une plus petite structure que l'agence 50-50, donc c'est vrai que c'est moins colossal, on va dire, comme travail de fond. Moi, en général, j'accompagne des plus petites startups qui se lancent et dont il faut créer tout un visage. Mais c'est vrai que donc moi, j'ai ce que j'appelle une enveloppe de base qui comporte la création, donc l'analyse de la concurrence, des produits similaires, les moodboards, les pistes graphiques, puis ensuite la création, les déclinaisons, le développement, ça va jusqu'à l'impression. Et en général, avec ça, les clients sont partis pour lancer leur entreprise. Et il y a des retours en général plutôt mensuels aussi. J'ai quand même quelques clients pour qui je travaille encore mensuellement. Et là, à ce moment-là, moi, personnellement, je travaille à l'heure. Donc, c'est un montant, un forfait à l'heure, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne parce que je n'ai pas encore vraiment de contrat qui me permet de les suivre sur plusieurs années. Moi, c'est plutôt des plus petites startups ou même encore certaines entreprises qui sont déjà bien imbriquées, mais qui veulent, on va dire, plutôt un one-shot. Donc, peut-être recréer ou faire un rebranding de leur identité, les remettre au goût du jour. Et une fois qu'ils sont lancés, après, moi, je donne le flambeau peut-être à un interne qui va s'occuper du coup de prendre le relais pour moi. Oui, ou alors on peut être dans des cas de figure où on a une structure qui dispose d'une identité, mais qui veut pouvoir, par exemple, communiquer à travers une série d'événements. Et donc là, il y a aussi des visuels à créer, mais en cohérence avec l'univers, qui n'est peut-être pas nécessairement un univers que tu as créé toi initialement. Et donc ça, c'est la différence aussi avec ce que disait Aurélie tout à l'heure, c'est que vous partez vraiment du principe que vous créez l'identité dès le départ et ensuite vous développez l'ensemble du service qui y est associé, que voilà, il y a d'autres possibilités, bien entendu, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs profils, bien entendu, aussi, par lesquels se faire accompagner. Au niveau des tarifs, ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, ça peut avoir l'air beaucoup, mais il existe aussi des aides pour les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais que ce soit sur Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, je les connais moins bien parce qu'on a moins de clients néerlandophones, mais sur Bruxelles, il y a des aides. Alors, elles sont moins qu'avant, mais ça existe quand même. C'est pour le site Internet. Je pense qu'on peut récupérer 5 000 euros jusqu'à à hauteur d'un devis de 12 000, donc c'est quand même déjà pas mal. Et sur la Wallonie, il y a des chèques label entreprendre, donc c'est les chèques entreprise, et il faut que le partenaire soit agréé, donc il doit être, c'est pas aussi simple que sur Bruxelles, c'est plus compliqué, mais ils sont plus généreux, donc ils peuvent aller jusqu'à 75% du remboursement, c'est énorme quand même, donc, mais par contre, il faut vraiment s'y prendre à temps en amont, parce que c'est hyper, hyper lent, c'est nous qui devons, c'est le prestataire qui doit remplir le dossier, donc c'est vrai que nous, on va majorer un tout petit peu. On va demander genre 750 euros en plus parce que nous, on doit faire tout ce qui est demande, encodage du dossier et tout ça. Mais bon, mine de rien, moi, j'ai des clients qui ont déjà récupéré 16 000 euros. Enfin, je veux dire, des gros montants, quoi. Mais alors, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Il faut vraiment dire, parce que j'ai aussi des clients qui parfois ont un peu triché, ça ne marche pas. Il faut bien remplir les choses. Mais par contre, ça prend du temps, voilà. Et il faut être organisé, quoi. Mais c'est super que tu en parles puisque c'était une des autres questions qui était remontée dans le chat. Donc, justement, est-ce qu'il était possible de bénéficier de certains types d'aides et donc les chèques entreprises? Et il y avait une autre petite question qui avait justement trait aux exemples que tu as mentionnés, Aurélie. Je pense que c'est par rapport au suivi client et aux interactions que vous avez. La question, c'était est-ce que vous mettez tout à disposition pour que le client puisse continuer de fonctionner de manière autonome par rapport, par exemple, à créer du contenu digital,
social media, newsletter, avec comment il peut s'approprier quelque part aussi son identité graphique et rouler. Donc, nous, on ne demande pas de... les droits d'auteur sont cédés, donc on ne demande pas, parce qu'il y a des anciennes agences qui disaient vous pouvez utiliser votre logo pendant 5 ans et tout, nous, on ne fait pas ça. Votre logo, c'est votre propriété. Normalement, vous ne pouvez pas la changer, donc vous ne pouvez pas commencer à mettre un dégradé dans le logo et de la comics en MS, ça, normalement, vous ne pouvez pas faire. Maintenant, on donne tout le matériel graphique après à la fin de la mission. On donne tout. Maintenant, il ne faut pas me demander 4 ans après, généralement, enfin, on archive, mais je veux pas. Mais globalement, on donne tout le matériel après. Vous pouvez continuer à, par exemple, moi, j'ai autre chose à faire que faire juste une autre carte de visite, donc vous pouvez décliner. Mais souvent, il faut avoir les logiciels pour décliner, il faut avoir InDesign et tout ça. Maintenant, ce qui arrive de plus en plus, c'est que via Canva, on demande une petite majoration en plus, et en fait, on implémente tout ça sur Canva. Donc, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, ben, vous pourrez être autonome. Si on va créer en fait la base. Le feed, le look and feel de base, et après on va tout implémenter sur Canva et le client est aussi peut aussi se débrouiller comme ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est le même principe pour MailChimp et compagnie, quoi. Donc oui, c'est ça. Il n'y a plus entre guillemets qu'à compléter les champs qu'on souhaite compléter. Oui, et puis s'il veut refaire un truc après, une brochure, il vient nous revoir pour faire un one shot. Mais globalement, l'idée c'est quand même qu'il soit autonome et qu'il puisse avec sa présentation là déjà se débrouiller comme ça, quoi. Ok. Eh bien, Ali, est-ce qu'on avait d'autres questions à poser à nos deux invités aujourd'hui ? Mais moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le processus créatif, parce que quand vous nous avez montré vos présentations, les exemples, on a vu qu'il y avait quand même une grosse attention qui était accordée à tout ce qui est typographie et voilà. Et donc, et que vous jouez parfois avec plusieurs typos, donc pas une seule, il y a un mélange de 2-3 typos. Et donc, est-ce que ces typos, elles existent toutes et que vous allez les chercher dans des catalogues, ou est-ce que vous créez parfois des typos spécifiques pour des projets ? Enfin, comment ça marche en fait ? Alors moi, je vais prendre la parole et puis je la laisserai à Aurélie. En général, j'aime créer mes propres typos, c'est-à-dire que je pars principalement d'une typo, on va dire, de base, pour garder comme ça. La typographie, c'est quand même un secteur très, très pointu, donc on ne se rend pas compte, mais optiquement, il y a énormément de choses à savoir quand on fait une typographie. Donc, je parle plutôt d'une typographie de base qui est quand même déjà relativement saine et propre, mais je la modifie toujours pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'exclusif. Donc, en général, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon studio de tatouage et de concept store à Bruxelles, c'est que je suis parti d'une typographie existante et je l'ai retravaillée pour créer un alphabet que j'utilise. Du coup, c'est un autre langage à nous qu'on utilise pour les titres des affiches, pour le néon intérieur, pour le logo. Donc, en général, moi, j'aime quand même créer les propres typos. Ça rend la chose un peu plus personnelle. Et puis ça laisse une infinité de possibilités. Mais n'hésite pas à nous montrer, hein, si tu as des exemples. Je pense que ça permet aussi à ceux qui nous suivent d'avoir une possibilité de visualiser. C'est un des piliers de l'identité, quoi, ces typos. C'est une écriture... C'est personnel au projet, au lieu. C'est ça. Donc là, ici, on voit mon studio à Bruxelles. Donc, il s'appelle Saparpa. C'est un nom que nous avons trouvé donc, nous-mêmes. Il faut juste le temps que je pense que la mise au point se fasse. Donc voilà, ici, on l'a bombé sur le comptoir. Mais donc, j'ai repris aussi les 3 A, enfin le A qui se trouve dans le logo, pour vraiment créer un néon. Et on l'utilise aussi dans toute la signalétique en général, quand on fait un événement, quand on fait des stickers, quand on fait des tote bags, c'est vraiment ce A qui ressort, qui a été créé du coup sur Illustrator et puis Photoshop. Enfin, c'est tout un travail de la lettre qui a été fait. Je vous montre un petit peu le... Et quels sont les messages en fait que tu voulais véhiculer à travers ces lettres? Mais ouais. Justement, là, cette lettre, donc, je voulais vraiment lui donner quelque chose de fluide et d'abstrait, parce que donc là, ici, on trouve nos deux styles, donc ma collègue et moi. Moi, je travaille principalement la couleur et les dégradés de couleur. Ma collègue travaillera plutôt la ligne et le noir. L'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver une typographie qui dégage quelque chose d'abstrait et d'artistique, de fluide. Et donc, on retrouve vraiment, donc, si je zoome un petit peu plus ici sur le comptoir, on s'est bombé, hein, celui-là, donc on a quelque chose d'un peu imparfait, de craft qu'on aimait bien.
mais on retrouve ce côté un peu fluide dans les lettres, un peu comme un effet marbré. Et ça reste tout à fait lisible. Tout à fait, oui. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer, bon là, il semble là en version verticale. Parce que voilà, c'est un lieu aussi où on accueille pas mal d'artistes, donc comme je le disais tout à l'heure, des créateurs, des artistes peintres, des artistes qui font de la musique, des artistes photos, des céramistes. Et donc, c'était vraiment un langage, on voulait un langage plutôt arty. Comme on le disait, ça part bien en fait, ça part pas, c'est récent, mais ça démarre bien, super. C'est ça. Ok, ça permet vraiment de visualiser et de voir un peu les déclinaisons possibles. On voit aussi l'importance de pouvoir finalement mettre un logo de manière horizontale, verticale, pouvoir l'insérer dans maintenant, différents... Maintenant, la typographie, ça a quand même une grande importance. Donc, si je prends par exemple... je recharge. Par exemple, ici, on est sur une typographie à empattement. Donc, on sent directement quelque chose de plus raffiné. Donc là, on s'adresse à un autre public. Là, ici, c'est plutôt pour c'est une décoratrice et fleuriste. Xanadu, donc qui est implanté sur Namur. Donc voilà, chaque typographie va aussi donner une intention. C'est-à-dire quand on est sur une typographie plus bold, on est sur quelque chose d'ancré, de solide, avec des bases vraiment assez costaudes. Là, ici, on a vraiment quelque chose de très fin. Donc souvent, on va accorder l'empattement à la culture, peut-être même un peu à la féminité aussi, ce genre de choses, les courbes. Que par exemple, ici, pour Atelier Urbain, c'est un architecte, on est sur une typo qui a quand même beaucoup plus de poids. On sent qu'il y a, on va dire, des fondations avec cette typo-là. J'imagine que c'est... allez, la gamme chromatique, c'est aussi la même chose. Voilà, ça va véhiculer une série de valeurs. Oui, tout à fait. Et vous en avez... Vous en avez déjà pas mal parlé tout à l'heure de la gamme chromatique, mais encore une question peut-être plus précise, mais avec combien de couleurs on doit jouer? En fait, on a vu des exemples d'Aurélie tout à l'heure avec du noir, du blanc, du craft et une couleur, mais une couleur d'agrumes, donc ça montait quand même, je sais pas, au final, il y avait peut-être 10 couleurs. On a vu des exemples chez toi, Liven, où il y en avait beaucoup moins. Dans un des exemples d'Aurélie aussi, il y avait ce vert fluo qui soulignait, et donc il y avait un parti pris vraiment de n'en choisir qu'une et de la mettre par petites touches. Quelles sont les tendances, les règles? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Généralement, une gamme de couleurs, ça va être d'office moins de 10 couleurs. Généralement, on tombe plutôt autour de 5, mais en fait, il n'y a pas de règles. Ça peut être que du noir et blanc ou que deux couleurs. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout de choisir de la couleur pour le type de déclinaison qu'on va faire. Donc, par exemple, le projet où il y avait ce vert fluo, mais globalement, on avait très peu de déclinaisons print, ou alors si on allait les imprimer, on allait choisir qu'un pantone, mais jamais de photos en couleur. En fait, on doit vraiment penser le projet dans sa globalité. Mmh. Est-ce qu'il va être plus digital? Est-ce qu'il va être plus imprimé? Si on imprime, comment est-ce qu'on va l'imprimer? Par exemple, si on met un orange et qu'on doit imprimer plein de photos en plus, notre orange, on est obligé de l'imprimer avec ce qu'on appelle un pantone pour qu'il soit pep, sinon ça va être fade. Et donc, du coup, il faut vraiment penser à ça pour que ce soit facile pour le client, pratique et économique aussi. Donc, on pense le projet dans sa globalité, quoi. Mais oui, parce que j'imagine qu'il y a des clients qui vont peut-être dire, ben voilà, dans un premier temps, nous, on n'a pas forcément des gros moyens, donc on ne voudrait pas aller au-delà de tel type d'impression. Peut-être que certains vont vouloir jouer juste avec du noir et blanc pour garder cette facilité. Oui, et s'ils communiquent plus sur le digital, il y a aussi plein de couleurs qui sont presque inimprimables, mais qui sont vraiment chouettes dans le digital, où on peut des dégradés. Ouais. Oui, dans des dégradés qui sont plus compliqués à imprimer, qui vont être plus fades. Et puis après, il y a différents types d'impressions aussi, mais si on imprime en offset traditionnel, ça va moins le faire. Tandis que justement, ce dégradé vert fluo, sur du digital, sur des posts Instagram, ça peut donner vraiment super bien, quoi. Voilà. D'où l'intérêt d'être conseillé par rapport à tout ça. Voilà. Maintenant, ce qui est très important aussi, excuse-moi, je termine juste avec ça, c'est que dans tous les cas, un logotype ou principalement le logo doit quand même toujours fonctionner en noir et blanc. C'est clair, c'est la base. Voilà, parce que il faut penser aussi que tout le monde n'a pas forcément d'imprimante couleur, par exemple, simplement. Et donc, il faut que le logo puisse vraiment fonctionner avant toute chose en noir et blanc. Et puis, on agrémente de couleurs pour justement décliner l'univers et tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. Un logo doit pouvoir se mettre en positif, en négatif, en une seule couleur, partout, simple, en petit, en grand.
C'est vraiment des règles de base. Et souvent, quand un logo ne fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, la baseline, si on l'imprime sur la carte de visite, elle est illisible. Il y a trop de couleurs. Il n'y a même pas une version du logo qui fonctionne en une couleur. Donc, on ne sait pas le mettre en négatif. C'est-à-dire, un logo doit, à la base, on travaille toujours juste en une couleur. Ça, c'est vraiment la base. Mmh. Ben on évoquait, attends, juste pour faire remonter une question qui est dans le chat, on évoquait l'importance du conseil. Et on a une question d'Amandine qui dit, mais comment arrivez-vous à expliquer à vos clients, justement, comment les convaincre qu'un logo n'est qu'un logo, un symbole qui ne doit pas reprendre dedans toutes les informations qui sont liées à l'activité, parce qu'il y a parfois souvent cette tentation peut-être de se braquer sur une image, sur un élément, et donc de ne pas tenir compte de tout l'ensemble, l'univers et de la globalité en fait de ce qu'il y a à développer autour de ce logo. Mais je pense qu'on ne peut pas tout dire dans un logo non plus. C'est ça aussi. Parfois, il y a des clients qui nous donnent 25 mots-clés et on a beau essayer d'être, entre guillemets, dans les meilleurs, entre guillemets, on essaye d'être bon, mais on ne sait pas tout faire passer dans un message. Ça, par exemple, ils vont nous dire, voilà, moi, on va reparler de l'écologie. J'aimerais bien montrer que nous, par exemple, c'est super important chez nous. Mais si ça ne se sent pas dans le nom, si ça ne se sent pas dans les codes couleurs, peut-être que ça peut se sentir dans le papier. Il y a d'autres éléments que juste le logo, la façon dont il va être imprimé. Donc, voilà. C'est pas tout faire passer juste dans un logo. Merci beaucoup. Je voulais encore vous demander quels sont finalement les piliers de cette identité ? Parce que quels sont vraiment les éléments structurants ? Donc, vous avez dit la typographie, vous avez dit le logo, le naming. Est-ce qu'il faut une baseline, forcément, ou pas ? Tout dépend du secteur d'activité, je pense. Parce qu'effectivement, comme on le disait aussi, comme la question est remontée, faire passer un message dans un logo, on peut aussi utiliser une baseline pour ça. C'est-à-dire que parfois, un logo peut être soit typographique, illustratif, juste un picto, un symbole, peu importe. Et la baseline peut aussi faire véhiculer un message très lourd. Donc ça, en fonction, du secteur d'activité, on agrémente ou pas d'une baseline. Mais effectivement, c'est toujours un plus pour pouvoir peaufiner l'image qu'on veut renvoyer et être sûr que la cible a bien percuté ce qu'on voulait faire passer comme message. C'est ça, ou donner un message supplémentaire par rapport au nom et au logo, quoi. C'est ça, ajouter une information. Passer des valeurs, par exemple, à travers la baseline. Si le naming est déjà bon et le logo bon, on comprendra le secteur d'activité, mais on peut faire passer en plus par là. Voilà, donc ça fait déjà pas mal d'infos. Hein. Typo, gamme chromatique, on parle des illus aussi parfois quand même, du style d'illu, est-ce qu'on va sur des photos, des dessins, enfin ça, on l'a vraiment bien compris je pense avec l'exemple des agrumes, de l'intérêt là d'aller sur des illus plutôt que sur des photos. Oui, c'est ça, et quel type de photo on va choisir, quel genre de filtre on va appliquer sur ces photos, est-ce qu'on passe sur des photos couleurs, noir et blanc, quel type d'illustration, si on met de la matière, des textures en plus dedans, tout ça c'est des choses qui sont importantes. On a encore une petite question dans le chat de la part de Philippe qui probablement vit une situation mais qui lui fait se poser ces questions. Peut-on faire appel à une agence qui a travaillé pour un concurrent ? Comment ça se passe de votre côté quand vous avez par exemple un client qui se présente à vous et comme on l'a dit tout à l'heure, vous procédez un peu aussi à une analyse globale de la situation et donc aussi à une identification de la concurrence, etc. Comment ça se passe quand, par exemple, vous avez déjà été sollicité par un concurrent proche d'un nouveau client, par exemple ? Moi, pour ma part, j'ai déjà eu le cas. Maintenant, rares sont les fois où les clients ont 100% de valeurs similaires. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment essayer d'aller chercher chez les deux clients la différence qui va les opposer. Donc, c'est-à-dire que si en discutant avec, si on prend le milieu de l'Horeca, quelqu'un qui veut axer toute son identité sur l'éthique, on va travailler là-dessus. Tandis que l'autre, ça va peut-être être plus sur la tradition ou sur le partage. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de les différencier tout en leur apportant évidemment notre touche et notre savoir-faire sur les tendances actuelles. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de les différencier sans forcément leur proposer deux produits similaires parce que chaque être humain est différent et je pense qu'on a tous des valeurs qui sont différentes et même si on travaille dans un même secteur d'activité, on a quand même des attentes qui sont à un moment donné un peu différentes les uns des autres.
Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que ben, nous, on travaille pour pas mal de restos à Bruxelles. Ben, on va pas, parce qu'on a travaillé pour un, ne plus travailler pour les autres, entre guillemets. Et clairement, il faut l'idée, c'est de différencier. Ils ont, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est ça, vous mettez la singularité de chacun en avant, quoi. C'est Ouais. ça. Singularité, sa valeur ajoutée, c'est valable de toute façon, j'imagine, N'ont quel que aucun soit le intérêt projet. à avoir des ressemblances et à ce qu'on les confonde. Ni l'un ni l'autre n'a aucun intérêt à ça. Donc, chacun a sa personnalité, je pense, justement. Ça fait vraiment partie, chaque fois du briefing, je demande quels sont les concurrents. Et l'idée, c'est de ne pas s'en approcher, quoi. Comme je disais au début, en fait, l'identité visuelle, au final, c'est comme le visage d'un être humain, en fait. Identifiable, reconnaissable et unique. Et même si on est peut-être de la même famille, mais on est tous différents. Donc, je pense que c'est là aussi où on doit prouver que dans un même secteur, on peut avoir plein de façons plein d'approches différentes. C'est ça, pour faire ressortir la singularité de chaque projet. Et donc, bah, on l'aura compris, vous vous appuyez aussi sur des outils, mais qu'on encourage nos porteurs de projet à utiliser. Donc, bien identifier la cible à laquelle on s'adresse, travailler sur, vous parliez dans le brief créatif, vision, mission, valeur, tenir compte de l'environnement, de la concurrence, bien identifier la stratégie de positionnement et de communication, etc. Donc voilà, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses pendant cette heure-ci. On a illustré aussi pas mal de démarches que vous mettez en place dans les services que vous proposez. Donc on a parlé du naming, on a parlé aussi du fait de pouvoir upgrader aussi le service avec un peu de services élargis autour du site web, autour de copies, etc. Donc tout ça concourt en fait vraiment à la création de l'identité graphique, mais pas seulement de tout l'univers, que toi, Liven, tu as identifié comme étant mais, le visage vraiment du projet, de l'entreprise et de son empreinte finalement aussi singulière. Donc voilà, si on devait résumer un petit peu, c'est pas facile parce qu'on a dit beaucoup de choses, donc l'exercice est compliqué, mais ce qu'on a vu ensemble, c'est important pour choisir son agence de pouvoir travailler sur la base d'un devis hein, et de s'y tenir pour éviter les surprises, d'apprécier la patte du partenaire avec lequel on envisage de travailler, donc d'apprécier aussi tous les types d'univers qu'il a déjà créé pour pouvoir s'y reconnecter à un moment donné. Surtout faire confiance, l'importance de la relation et du feeling entre les deux. Tu as dit quelque chose d'important, Aurélie, c'est que s'il y a un nom qui est créé, c'est important de le déposer pour éviter les vilaines surprises. Et donc ça, ben, on ne saurait que trop insister là-dessus. Tenir compte d'un petit délai de création dans l'identité graphique, ça peut varier, mais en général, une moyenne, c'est à peu près 4 mois, si j'ai bien noté. L'idée étant qu'il y a une première rencontre, un délai de 15 jours, et puis un suivi, un délai de 15 jours, mais que tout ça, en fait, comme ça se co-construit, mais ça prend du temps et c'est important de prendre ce temps-là. Puisque par la suite, ben, ça va conditionner énormément de choses. Ça permettra notamment de se mettre d'accord sur les volets esthétiques, ludiques. Hein, on l'a vu, le côté ludique, notamment dans tout ce qui était illustration, communication d'éléments ben, qui sont parfois pas du tout liés au côté graphique, mais au détail du produit. Le côté humour, pédagogique, la communication, l'importance du ton aussi à choisir. Et puis, ben, comment on communique et en fonction aussi des contextes. Le chantier était une bonne image. Comment se démarquer aussi à travers un outil, finalement une traduction de la communication, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un point intéressant que tu soulevais tout à l'heure, Aurélie, c'était le fait qu'il y a des choses qui existent pour le virtuel et qu'on n'imprime pas nécessairement, mais qui peuvent tout à fait faire le job. Et donc ça, ben, moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Et donc, ben, merci beaucoup pour cet apprentissage. Donc en gros, vraiment veiller à prendre en compte la création de son branding, de son identité graphique dans une globalité de projet, d'univers, de création d'univers. Donc la globalité, la cohérence aussi vont ressortir des collaborations que vous allez mettre en place avec vos clients. Pas perdre de vue aussi l'intention première et voir comment elle peut évoluer au cours du temps. Et là, bah, vous êtes là pour accompagner évidemment. Vos clients. Un point important pour nos porteurs de projets et à ne pas négliger, c'est donc l'existence de chèques entreprises pour pouvoir aussi les aider financièrement dans le développement d'une identité graphique de qualité à développer avec des partenaires tels que vous. Est-ce qu'il vous semble que j'ai oublié des éléments importants dans cette petite synthèse de nos échanges? Je pense que tu as bien fait le tour. Oui. Eh bien,
Avant de se quitter, je vais vous remercier très chaleureusement et d'ailleurs, vous êtes remercié également dans le chat mais pour vos partages, pour vos conseils, pour vos petites astuces, pour votre participation aussi à la préparation de cette séance. Je remercie Alison aussi qui a fait tout le taf en amont et qui a assuré aussi les échanges avec vous aujourd'hui et Pauline qui nous a assisté dans la technique. Voilà, on sera ravis de vous retrouver tout prochainement. On met dans le chat actuellement les coordonnées de nos deux intervenants. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Donc, vous avez adresse email et téléphone de l'agence d'Aurélie et vous avez également les coordonnées de Liven qui vous recevra aussi bien du côté studio graphique que du côté ça part pas. Eh bien, merci à tous et puis on vous souhaite une très belle journée. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Merci.